Welcome to all participants who have already joined. We will give Bienvenue à tous les participants qui nous ont déjà rejoints. On va encore attendre quelques minutes pour les personnes qui sont encore dans la salle d'attente. So thank you to all of us, to all of you who are. Merci à vous tous d'être avec nous cet après-midi. Bonjour à tous ceux que vous soyez dans le monde. Nous avons des personnes qui sont du monde entier avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire conjoint MAPS et PEFA. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part du secrétariat pour avoir un événement réussi qui vous donnera beaucoup d'informations sur comment les deux outils sont liés, quelles sont leurs utilisations, et avec une étude de cas pratique, comment un pays peut utiliser cet outil pour la réforme et pour améliorer leur système de passation de marché et leur gestion des finances publiques. Donc nous allons parler de ces deux outils. Premièrement, je voudrais commencer en vous donnant quelques informations pratiques et quelques règles pour aujourd'hui. Cette réunion est enregistrée. Nous allons partager plus tard l'enregistrement sur notre site web de ressources. Cet événement est également interprété entre l'anglais et le français. Nous aurons l'un de nos orateurs qui parlera français aujourd'hui. Donc, je vous invite à utiliser la fonction d'interprétation. Vous verrez en bas de l'écran une icône pour l'interprétation. Vous pouvez allumer ou éteindre l'interprétation et choisir l'anglais ou le français. Et ce sera utile pour l'un des orateurs qui interviendra en français. Vous pouvez poser des questions. Nous voulons que cette session soit la plus interactive possible. Nous voulons que vous puissiez participer, poser des questions. Donc, vous pouvez nous donner tous vos commentaires en utilisant la fonction discussion de Zoom. Et vous pouvez aussi utiliser le hashtag MAPSPIFA sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions. Cela étant dit, je voudrais donner la parole à Erika Gretzen, la directrice par intérim pour les finances durables, l'investissement, les emplois et une économie qui bénéficie à tous, à la DG ENPA, à la Commission européenne. Vous avez la parole, Erika. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ces quelques remarques liminaires et de m'avoir donné la possibilité d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un vrai plaisir d'être ici pour ouvrir ce webinaire conjoint MAPS et PEFA. Et je voudrais remercier à la fois les secrétariats MAPS et le secrétariat PEFA et vos équipes pour avoir organisé cet événement aujourd'hui. Cette initiative des deux secrétariats d'organiser ce webinaire conjoint est vraiment la bienvenue parce qu'elle montrera à quel point ces deux outils sont complémentaires, ces outils de diagnostic pour les dépenses publiques et les passations de marché. Et nous pensons que cela est tout à fait
crucial et j'ai vraiment hâte d'entendre ce que vous allez dire. Et je pense qu'il est crucial aussi que nous puissions entendre l'expérience de la Zambie où l'utilisation de ces outils a été testée et la complémentarité a été testée également. Ce sera très intéressant. Le programme de la journée est très intéressant. Du point de vue de la Commission européenne, nous soutenons la complémentarité entre ces deux outils. Nous soutenons les deux outils et les deux projets, PEFA et MAPS, depuis leur origine. Et nous soutenons également le rôle du secrétariat ainsi que leur objectif de contrôle qualité. En tant que supporter initial de PEFA et de MAPS, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui et je voudrais vous remercier pour cette initiative. PEFA célèbre son 20e anniversaire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'événements qui ont lieu pour cela et c'est quelque chose qui est tout à fait positif. Nous sommes vraiment fiers d'avoir fait partie de cette histoire qui est toute réussite avec une méthodologie qui est très reconnue, un grand nombre d'évaluations de pays, mais aussi d'évaluations au niveau sous-national. Le secrétariat de MAPS va bientôt célébrer son premier anniversaire. C'est un secrétariat qui est plus jeune, mais nous sommes sûrs qu'il y aura un succès équivalent pour MAPS à l'avenir. Et peut-être que dans 19 ans, nous serons ensemble pour célébrer votre anniversaire également, votre 20e anniversaire. Nous allons parler de la complémentarité, et nous allons en parler beaucoup aujourd'hui. Bien sûr, le cadre PEFA donne déjà des informations très intéressantes sur les passations de marché public, avec des indicateurs qui se penchent sur cette dimension, mais nous considérons, et c'est clairement connu, que PEFA donne seulement un aperçu à un moment dans le temps, alors que le diagnostic MAPS va beaucoup plus profondément dans les processus de passation de marché public et donne des détails, indique les faiblesses, mais aussi des recommandations pour la réforme. Et c'est pour cela que nous pensons que PEFA et MAPS sont complémentaires en ce qui concerne la passation de marché public. Et pour nous, et comme nous l'avons dit, c'est tout à fait naturel, et nous le faisons dans nombreux pays, avoir une gestion des finances publiques et un système de gestion des finances publiques qui soit robuste, c'est important pour la bonne gouvernance. PIM soutient la stabilité macroéconomique et guide l'allocation des ressources aux priorités nationales. Cela soutient l'offre de services sociaux efficaces pour la réduction de la pauvreté et pour le développement économique. Et cela rend possible la transparence et l'évaluation des finances publiques. Nous pensons que le PFM est vraiment au cœur de la gouvernance publique. Est-ce qu'il y a aussi au cœur du contrat social et entre les citoyens et le gouvernement. À travers la passation de marché public, les gouvernements ont un impact sur la vie de leurs citoyens. 12% du PIB, la passation de marché public correspond à 16% du PIB dans l'Union européenne et ça peut mettre jusqu'à 30% dans les pays en développement. C'est pour ça que des systèmes sains sont clés pour remplir les ODD. En effet, il y a des prérequis pour des services publics efficaces. De plus, lutter contre les risques d'intégrité dans les marchés publics augmente la qualité des services pour les citoyens et renforce l'infrastructure, permet aussi d'avoir des économies au niveau de l'État pour renforcer les économies, pour financer d'autres initiatives. Les outils MAPS et PEFA sont flexibles grâce à leurs modules complémentaires. Et il est vrai qu'autour des dernières années, beaucoup d'efforts ont été faits pour développer des modules spécifiques en relation au climat, à la transition durable et vers au financement vert, au numérique, au genre. Et ce sont des domaines qui sont au cœur des priorités de la Commission européenne qui mènent à la transition verte et à la transition numérique, cette double transition, comme nous l'appelons, qui est au centre des priorités de notre présidente Ursula von der Leyen. C'est des outils diagnostiques de haute qualité permettent de développer, d'éclairer et de surveiller les réformes de l'État
Et c'est particulièrement vrai pour la passation de marchés publics et la gestion des finances publiques. Nous soutenons ce dialogue et nous sommes l'un des donateurs qui offre un soutien à ces deux outils et au budget aussi de nos pays partenaires. Nous offrons aussi des aides techniques pour accompagner les réformes. De plus, des évaluations solides et objectives permettent d'avoir une appropriation de la part des agences de l'État pour mettre en œuvre les réformes. Les outils diagnostiques de qualité permettent d'avoir une meilleure coordination des donneurs pour soutenir les réformes. Et au cœur de la coordination des pays donateurs, il y a l'importance de l'appropriation de la part des pays. Les réformes sont des réussites s'il y a une appropriation de la part des pays, si les gouvernements sont partants, et c'est là que les donateurs peuvent vraiment faire leur meilleur. Et c'est pour ça que j'ai envie d'entendre l'expérience de la Zambie, voir comment PEFA et MEPS ont aidé à mettre en place les réformes dans ces domaines. Je ne veux pas prendre plus de temps. Je pense qu'il y a un agenda extrêmement riche pour cette session aujourd'hui. Encore une fois, je suis très heureuse de voir l'organisation de ce séminaire conjoint et je voudrais pouvoir saisir cette opportunité pour dire bon anniversaire à PEFA, mais aussi bon anniversaire à MAPS et au secrétariat de MAPS en particulier. Et encore une fois, félicitations pour cet événement et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Erika. Vous êtes un grand partenaire en tant que Commission européenne. Maintenant, nous avons un exercice qui va commencer par des sondages. C'est Tia du secrétariat PEFA qui va nous faire ces sondages pour avoir des informations de la part du public. Merci beaucoup, Erika et Nicolas. Nous voudrions aussi souhaiter la bienvenue à tout le monde de la part du secrétariat de PEFA. Pour commencer la discussion, nous voudrions vous entendre. Quel est votre avis sur les défis liés à la passation de marchés publics et dans quel domaine avons-nous besoin de plus d'informations? Vous allez voir un sondage sur votre écran. Il y a deux questions. Vous pouvez lire les questions et choisir la réponse que vous voulez et soumettre la réponse qui vous semble être juste. La première question est la suivante. Laquelle de ces processus pose le plus de risques et de défis liés à la passation de marché public? Vous voyez différentes options, l'allocation de budget, l'identification des besoins et l'analyse du marché, la sélection d'un fournisseur avec une procédure concurrentielle, avoir un engagement des acteurs de manière importante et de répondre aux plaintes, la gestion des contrats, le paiement des factures ou esquisser l'audit et le suivi du processus et de son intégrité. La deuxième question est plus liée au cadre. Nous avons le cadre PEFA qui s'intéresse au GFP et aussi à MAPS sur les questions de marché public. Pour ces mêmes domaines, pour lesquels avez-vous besoin de plus d'informations fiables? Pour quel domaine des informations plus fiables vous apporteraient des bénéfices? Donc, vous avez encore quelques minutes et quelques avant de pouvoir ou plutôt quelques minutes pour répondre et nous verrons quels seront les résultats. Nous allons voir si les résultats sont similaires pour les deux sondages ou s'ils sont différents. Alors, pour la première question, nous voyons un certain nombre de défis qui sont liés à la gestion des contrats, à la sélection d'un fournisseur à travers la concurrence, mais aussi l'analyse du marché et des besoins. Pour la deuxième question, pour quel domaine avons-nous besoin de plus d'informations? Encore une fois, il semble que ce soit l'identifier les besoins et l'analyse du marché qui est très haut, mais aussi sur la gestion des contrats et des procédures.
Alors, nous allons mettre fin à ce sondage. Alors, voilà les résultats. Première question, quels sont les défis les plus importants liés à la passation de marché public? On voit que nous avons deux priorités, l'identifier les besoins et analyser le marché, et aussi la gestion des contrats et de ces amendements. Pour le moins de réponses, nous avons eu pour le paiement des factures. C'est intéressant. Deuxièmement, les informations qui sont nécessaires. Alors, il semble que la première réponse soit identifier les besoins et analyser le marché. Il semble qu'il y ait vraiment un problème dans ce domaine et qu'il faut se concentrer sur ce point. Et aussi, gérer le contrat et ses amendements. Le deuxième point, encore une fois, le paiement des factures a reçu le moins de votes. Donc, nous allons voir comment nous allons pouvoir répondre à ces questions, à ces défis pendant les présentations d'aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous rends la parole, Nicolas. Merci beaucoup, Tia. C'est très bien pour l'introduction et ça nous donne des informations. Il va falloir parler de la programmation. C'est un sujet sur lequel nous allons concentrer et qui est important pour les experts de passation de marché public. Nous savons qu'il y a beaucoup de valeur dans ce processus. Nous allons voir comment les outils nous apportent des réponses pour comprendre ce qui se passe dans ces domaines. Nous allons maintenant vous donner un aperçu des deux outils et de leurs liens. Je voudrais maintenant donner la parole à Jeppe Groot du secrétariat de MAPS et ensuite à Guillaume Brühl pour le secrétariat PFA qui parlera en français. Jeppe, vous avez la parole pour nous parler de MAPS et de son lien avec PFA. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous partout dans le monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et que vous soyez avec nous. Nous n'avons que quelques minutes ensemble, donc je vais me lancer directement dans cette introduction et vous parler de MAPS. Je suis sûr que beaucoup de personnes dans le public connaissent déjà MAPS et le cadre, mais je voudrais vous donner les informations basiques sur MAPS pour que tout le monde comprenne bien. Je vais commencer par l'objectif de ce cadre MAPS et je voudrais diriger votre attention sur le centre de cette diapo qui est vraiment lié à l'introduction que nous avons eue de la part d'Erika Gretzen de la Commission européenne. MAPS, c'est un outil d'évaluation qui a pour objectif de donner des bases pour des réformes des systèmes de marché public dans les pays. C'est donc pour le pays qui est évalué que l'évaluation est faite et ça donne finalement une feuille de route au gouvernement pour une réforme du système de passation de marché public. Ça veut dire, et je passe maintenant à gauche, que c'est un outil universel. C'est un outil qui peut être utilisé par tous les pays, quelle que soit leur taille, leur organisation politique et leur niveau de développement. Nous avons, par exemple, récemment vu des évaluations MAPS dans de grandes fédérations telles que l'Inde et l'Éthiopie et dans des petits pays également comme la Moldavie et dans un nombre d'États des Caraïbes. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé par tous. Enfin, c'est une évaluation qui est reconnue. Cela veut dire que c'est un outil qui implique des acteurs clés au sein du pays, mais aussi de manière internationale. C'est aussi un outil qui a été testé et qui donne une base de bonne qualité pour des prises de décision politiques. Donc voilà les objectifs globaux du cadre. Et maintenant, je vais vous donner plus de détails dans la diapo suivante. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà maintenant la méthodologie de MAPS avec quatre piliers que vous voyez avec les couleurs, 14 indicateurs et 210 critères d'évaluation. Le nombre d'indicateurs par pilier n'est pas lié à l'importance des différents piliers. Chaque pilier est très important et est égal dans le cadre.
le premier pilier est lié au cadre législatif, réglementaire et politique existant. C'est le pilier noir-blanc, de savoir si les lois couvrent tout le cycle de passation de marché public et tous les domaines, les services et les biens, de savoir s'il y a une législation spécialisée sur les concessions, sur les partenariats publics-privés. C'est là aussi dans ce pilier qu'on regarde si le marché public est lié aux organisations internationales et aux objectifs de développement durable. Ça, c'est le pilier numéro un. Le pilier numéro deux, c'est le cadre institutionnel et la capacité de gestion. Il s'agit des institutions, des responsabilités. Est-ce que les responsabilités sont claires? Est-ce qu'elles sont bien déléguées? Est-ce que c'est soutenu par un système d'information qui fonctionne bien. C'est là aussi que l'on parle de la passation de marché public en ligne et de l'évaluation, mais c'est aussi qu'on regarde les capacités de gestion. Est-ce qu'il y a assez d'employés? Est-ce que les employés sont bien formés? Comment est-ce que la professionnalisation a lieu dans le pays et comment est-ce qu'on suit le système? C'est ce que l'on voit dans le pilier 2. Donc, le troisième pilier revient sur les questions que nous avons déjà vues là dans cette enquête il y a cinq minutes, c'est-à-dire le côté pratique opérationnel du système de passation des marchés. Donc, comment est-ce que les choses comprises dans le pilier 1 et 2 opèrent en pratique? Donc ici, c'est la planification, la gestion des contrats, la sélection des fournisseurs par le biais des procédures, c'est aussi comment fonctionne le marché qui est visé par la passation des marchés, justement. Donc, il y a aussi une question ici de dialogue entre le secteur privé et le secteur public, l'accès aussi du secteur privé au système de passation des marchés du pays et ce que les autorités nationales font pour soutenir cette participation au marché. Est-ce qu'il y a, par exemple, des stratégies sectorielles sur certains secteurs clés? Et c'est ce que l'on a vu récemment dans la crise de la COVID, c'est qu'il peut être vraiment un élément important et aussi difficile de la passation des marchés. Enfin, le quatrième pilier, qui est vraiment lié à l'intégrité du système. Donc, par exemple, la lutte contre la corruption, les systèmes de contrôle. Ce qu'on a vu d'ailleurs dans l'enquête qu'on a faite ce matin, c'était une préoccupation importante. Et puis aussi la participation de la société, comment elle est engagée, comment elle participe, quel est son niveau d'accès. Et les organisations de la société civile sont-elles considérées comme un partenaire clé dans le système de passation des marchés? Donc voilà, ce sont les éléments de base du système. Et donc pour chaque pilier, il y a différents critères et donc différents indicateurs. Il s'agit en fait d'aspirations, en tout cas c'est comme ça qu'elles sont formulées, et qui sont basées sur des meilleures pratiques. Et donc les évaluateurs vont évaluer le pays vis-à-vis de ces critères et de ces indicateurs. Et donc en plus de ces quatre piliers, vous voyez là au milieu du graphique quelques autres mots-clés, quelques aspects importants. Ce sont peut-être des modules complémentaires. Donc, on a la question, par exemple, de passation des marchés durables. Et donc, ça suit en fait la même structure que la version générale, mais ça va juste de manière un peu en plus détaillée, c'est plus approfondi. Alors, maintenant, passons à MAPS et PEFA. Donc, bien sûr, il est évident, en fait, quand on regarde les MAPS, à quel point c'est connecté au PEFA. Ils sont connectés aussi bien au niveau général qu'à un niveau plus spécifique et plus détaillé, auquel je passerai un peu plus tard. Mais au point de vue général, lorsqu'on regarde les rapports et les évaluations MAPS, eh bien, souvent, les rapports PEFA sont un élément de la motivation pour faire un rapport MAPS. Par exemple, récemment, l'Éthiopie a réalisé une évaluation MAPS en se basant sur une évaluation PEFA préalable de 2019 qui avait montré qu'il y avait une certaine détérioration de la performance de la passation des marchés.
Donc, dans ce contexte, une évaluation MAPS peut fournir une analyse plus approfondie des problèmes, des choses à corriger, et donc permet de montrer au gouvernement éthiopien comment s'y prendre aussi pour corriger le tir. Et donc, la prochaine fois que l'Éthiopie réalise un PEFA, eh ben, il faut espérer qu'elle verra qu'il y a eu des améliorations réalisées grâce au rapport MAPS. Alors, quels sont les points communs? Si on regarde au niveau de l'indicateur 24 du PEFA, qui est lié à la gestion de la passation des marchés, et donc de nombreux sous-indicateurs MAPS sont liés aux dimensions de cet indicateur 24 du PEFA. Par exemple, le premier pilier MAPS qui concerne l'application du cadre réglementaire et aussi à l'accès public aux informations dans ce contexte. Et cela, on le retrouve dans les dimensions du PEFA. C'est la même chose quand on regarde aussi l'indicateur 7A du MAPS. C'est-à-dire dans quelle mesure des technologies de l'information soutiennent, favorisent le système de passation des marchés publics et la publication. Et bien, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les dimensions du PEFA, qui garantit en fait l'accès du public aux informations et donc aux documents publiés. Ensuite, ici, on voit encore d'autres indicateurs MAPS qui s'alignent sur les dimensions du PEFA. Et ce que j'aimerais souligner ici, enfin, sur une dernière diapositive, c'est un autre indicateur qui va un peu au-delà du PEFA. C'est la question du système de contrôle. À droite, vous voyez qu'il y a plusieurs indicateurs PEFA qui viennent alimenter le sous-indicateur 12A du MAPS, qui est lié donc au système de contrôle, à son fonctionnement en pratique et dans un pays en particulier. Et comme on s'en rend compte souvent lorsqu'on lit des rapports, c'est que les informations qui sont collectées dans le cadre du PEFA peuvent ensuite être réutilisées dans un rapport MAPS et peuvent vraiment servir d'informations clés ici pour l'évaluation MAPS. Mais il y a une différence, c'est que le MAPS ne procède pas à une notation de la même manière que le PEFA. Et d'ailleurs, vous en apprendrez plus sur cette notation quand je passerai la parole à Guillaume, qui va vous en dire plus maintenant même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeppe, pour cette présentation rapide. Comme nous avons peu de temps, bien sûr, nous ne pouvons pas nous approfondir ce sujet. Et en tout cas, pour vous rappeler que Guillaume va s'exprimer en français, donc si vous avez besoin de l'interprétation, il faut cliquer sur l'icône du monde, du globe, en bas, et choisir la chaîne que vous préférez, qui sera la chaîne de l'anglais. Donc à vous, Guillaume, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, JP, pour vos quelques mots d'introduction. Donc, comme l'a dit Nicolas, je vais vous présenter la présentation en français pour être plus inclusif pour nos amis français qui ont rejoint la session. JP vous a présenté les principales caractéristiques du cadre MAPS, l'universalité, l'outil pour la réforme, la reconnaissance internationale. Étant de la même famille de diagnostics de gestion des finances publiques, le PFE partage exactement toutes ces caractéristiques. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Comme l'offre MAPS, l'offre PFA est diverse. Autour du navire amiral qui constitue le cadre 2016, elle contient entre autres une méthodologie adaptée pour les administrations infranationales, deux modules additionnels évaluant la sensibilité de la gestion des finances publiques au genre et au climat, une méthodologie développée pour permettre aux pays d'utiliser leur rapport PFA pour améliorer leur gestion des finances publiques, ce qu'on appelle le volume 4, et la photo list, un rapport global présentant les résultats contenus dans les rapports individuels PFA. Ce qui diffère principalement, c'est que le PFA couvre l'ensemble de la gestion des finances publiques, comme vous pouvez le voir sur la slide, au travers de 7 piliers. La gestion de la passation des marchés est, comme vous l'a exposé GP, un indicateur parmi les 31 du cadre PFA. Je dois dire également que nous avons développé un indicateur sur le commande public spécifique au climat dans notre diagnostic climat.
L'autre différence, c'est notre âge, 20 ans, comme l'a souligné Erika. 20 ans, ça veut dire une base de données de plus de 700 rapports désormais, nationaux et infranationaux, dont nous souhaitons faciliter l'accès pour le reste, pour la recherche. En attendant, je vais essayer d'utiliser quelques enseignements de cette base de données pour vous présenter une photo prise par le PFA sur l'état général de la fonction achat public au cours des dernières années. Donc, en premier lieu, j'ai présenté quelques aspects sur la dynamique au cours des dernières années, entre globalement les périodes 2010-2015 et 2016-2021. Là, on a 70 pays qui nous permettent de faire ces quelques constats. Et parmi ces 70 pays, il y en a 39 qui ont amélioré leur performance ou maintenu la performance à des niveaux élevés, ce qu'on appelle une note A ou une note B en langage PFA, et 31 qui ont soit dégradé cette performance, soit maintenu à des niveaux de performance faibles, une note D ou une note C. Cela cache des mouvements contradictoires entre régions. Globalement, une progression au maintien des niveaux élevés en Europe, en Asie centrale, et globalement, des détériorations, par exemple, en Asie de l'Est et Pacifique. Des mouvements contradictoires également entre les composantes PFA. On note ainsi une amélioration globale de la performance du cadre légal et du cadre réglementaire, puisque 80% des pays ont amélioré leur système de règlement des différends et 60% leur cadre légal. C'est le cas, par exemple, au Bhoutan, qui a mis en place un organe de règlement des différends en 2015. C'est le cas à Madagascar, qui a remis en œuvre un organe de règlement des différends dans la période. On constate également une stagnation, voire une détérioration de l'utilisation des méthodes concurrentielles. Et on constate une situation plus équilibrée pour l'accès aux informations sur la commande publique. Ce qu'on constate également, c'est que certaines réformes ont eu des effets contradictoires. C'est le cas au Bangladesh, où un changement de législation a permis de faire progresser la performance du cadre réglementaire et de l'organe de règlement des différends, tout en permettant plus d'exceptions au principe de concurrence, qui a fait mathématiquement baisser le taux des marchés concurrentiels, et donc la note de la seconde composante. Mais en parallèle, le pays a mis en place une digitalisation des marchés publics, qui a permis à la fois une plus grande transparence, donc une note A pour la deuxième composante, et une diminution des recours à l'organe de règlement des différends, donc une plus grande efficacité de son activité, ce qui se traduit également. La situation actuelle de la performance, comme vous le voyez sur la slide actuelle, sur la base de 86 rapports, on a une note moyenne mondiale qui serait un C, même si je ne suis pas un immense fan de la note moyenne mondiale, et C pour toutes ses composantes. Mais cette moyenne cache, encore une fois, des situations différentes. On va prendre deux exemples. On va prendre l'exemple de la région Europe et Asie centrale, qui a globalement une performance relativement bonne. On a eu 8 rapports dans la période sur cette zone. Et concrètement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les opérations sont correctement enregistrées dans les bases de données, complètes et fiables. Seul un pays a moins de 90% de ses opérations enregistrées dans les bases de données. Le taux d'opération concurrentielle est majoritairement compris entre 70 et 90%, sauf dans deux exceptions. L'ensemble des informations est publié, à de très rares exceptions, et l'organe de règlement des différends est en général indépendant, sauf dans deux cas. Le seul problème de cet organe de règlement des différends, c'est qu'il ne donne pas de décision dans des délais raisonnables. En contrepartie, ou en relation avec ça, en Asie orientale Pacifique, donc 11 PFA sur la période, 11 rapports sur la période, de pays aussi grands que l'Indonésie et des pays plus petits comme les îles du Pacifique, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la performance est moindre. Les bases de données sont très majoritairement incomplètes, soit à cause de l'existence de petites opérations qui ne sont pas comptabilisées dans les bases de données, soit en raison de l'absence de mécanismes de centralisation de l'information, soit carrément en l'absence de règles sur le monitoring des opérations de commande publique. Les opérations de commande publique digitale, le e-procurement, aident, mais parfois la base de données se limite à ce qui transite par les opérations électroniques et donc exclut tout ce qui n'en fait pas partie, ce qui limite l'universalité des informations. Les taux de recours à la concurrence, donc la deuxième composante de l'indicateur, sont entre 70 et 90%, mais uniquement pour 5 pays. Pour le reste, en raison de la mauvaise qualité des bases de données, malheureusement,
on ne peut pas conclure sur un certain pourcentage. Donc, on ne connaît pas exactement le pourcentage de recours à la performance à travers l'outil PEFA. En général, les données sur les plaintes en matière de transparence, les données sur les plaintes, sur les plans d'achat, sur les statistiques ne sont pas publiées. Les données sur l'attribution ne sont que partielles. Enfin, dans 5 pays, l'organe de règlement des différends n'est pas indépendant. Et de plus, dans 2 pays supplémentaires, il n'est même pas effectif. Finalement, next slide, Richard, please. Je vais faire quelques liens avec l'ensemble de la gestion des finances publiques que donne le PEFA. On voit sur la diapo que je vous présente la grande faiblesse des arriérés de dépenses. Un score moyen de 1,5, c'est-à-dire en gros un D+. Même les régions les plus performantes ne sont qu'un score de C. Cela se traduit en aval des opérations d'achat par des retards généralisés de paiement aux fournisseurs et donc, intuitivement, on peut penser que ça se traduit également par une complication de la fonction d'achat en amont de personnes qui doivent travailler avec des fournisseurs, parfois réticents à faire du business avec l'administration, connaissant ces retards de paiement. On voit également, deuxième élément, la très grande faiblesse des fonctions d'audit interne et externe. Les notes également autour de D+. Ce qui a, outre une faiblesse généralisée de l'examen des systèmes de contrôle, un impact sur une lacune de contrôle en cas de recours à des procédures d'urgence qui ne passent pas au travers des cadres traditionnels de contrôle, et aussi un manque de feedback et d'opportunités pour améliorer les systèmes que typiquement un audit externe ou interne pourrait permettre. Il y a donc là une opportunité pour la fonction marché public elle-même de développer ce type d'audit afin d'améliorer le feedback sur la fonction elle-même. Donc, vous voyez à travers ces quelques exemples, en conclusion parce que le temps nous presse, que vous pouvez très bien utiliser la base de données et données PEFA pour essayer de voir en dynamique à la fois en dynamique et en photo ce qui se passe au niveau des États, ce que je viens de faire, ce qui se passe au niveau de l'infra nationale, ce que je n'ai pas fait, et également mettre en relation la fonction commande publique avec les autres fonctions de la gestion des finances publiques. Merci beaucoup et désolé d'avoir consommé un peu trop de temps. Merci Guillaume. So I think it was really interesting to see both methodologically but also from the. Merci Guillaume, c'était intéressant de voir votre présentation, non seulement sur le point méthodologique, mais aussi quels sont les résultats des pays. Et maintenant, juste avant de passer à un cas particulier, j'aimerais inviter M. Simon de Chirois, qui est directeur de pratique pour la Banque mondiale, pour qu'il nous explique le point de vue de la Banque mondiale sur la gestion des finances publiques, les réformes à mener en général. Donc, à vous, Simon, avant de passer ensuite la parole à Ida de Zambie. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Premièrement, j'aimerais dire joyeux anniversaire au PEFA pour son 20e anniversaire. Je remercie aussi les secrétariats de PEFA et MAPS pour organiser cette réunion. Je crois qu'il est vraiment très important d'organiser ce type d'événement et de coopération de manière à harmoniser ces deux outils. Je crois que nous devrions d'ailleurs organiser davantage d'événements de ce type à l'avenir. Moi, je vais vous faire part de mon expérience. Premièrement, la perspective de la Banque mondiale et le lien entre la gestion des marchés publics et le PEFA, mais aussi mon expérience de ces évaluations dans certains pays, la Zambie, l'Éthiopie et l'Inde notamment. Donc, quels sont en fait les enjeux que l'on rencontre et comment faire, quels sont les problèmes que nous pouvons améliorer. Donc, je vais commencer en parlant de données. Alors, une chose que l'on sait, c'est que la passation des marchés publics est une grosse part du PIB des pays, au moins 5% et parfois jusqu'à 15% du budget annuel dans certains pays.
Mais ce qu'il manque ici, c'est que nous n'avons pas en fait de données précises qui nous disent en fait exactement ce que représente la passation des marchés dans un pays exactement. Et je crois que c'est une question vraiment importante. Nous devons trouver un moyen d'évaluer correctement la part de la passation des marchés. Si nous ne pouvons pas le faire, sinon, il est ensuite vraiment difficile pour les fonctionnaires d'intéresser les fonctionnaires à la passation. Deuxièmement, il y a des défis dans la mesure, mais comme l'a dit Erika, les marchés publics sont de plus en plus pertinents avec la COVID, puisque les pays font face aux défis budgétaires liés au COVID, et nous voulons aussi relancer l'économie en reconstruisant en mieux, en se concentrant sur les marchés verts et durables. Du coup, notre manière de voir ces marchés est importante aujourd'hui et plus importante encore. Comme nous l'avons vu dans les résultats, et c'est cohérent avec les résultats de la Banque mondiale, le pilier 3 est le pilier et ce qui est le plus difficile à évaluer, particulièrement parce que nous n'avons pas assez de données sur la gestion des contrats et sur la planification. Donc, il faut voir comment améliorer ces aspects. MAPS, comme je l'ai dit, est lié à PEFA, ça a été dit par beaucoup, mais je pense qu'il y a un certain nombre de domaines où cela pourrait être amélioré. Premièrement, c'est le calendrier pour ces deux évaluations. Parfois, ces évaluations sont faites de manière séparée par plusieurs années dans différents pays, et donc on ne peut pas s'appuyer l'une sur l'autre. Donc, il faudrait s'intéresser au calendrier de mise en place de ces évaluations, quand est-ce qu'ils sont faits. Il a aussi été indiqué que les deux sont étroitement liés, et je suis tout à fait d'accord, mais je pense que certains indicateurs dans l'évaluation PEFA devraient être mieux harmonisés et mieux liés à MAPS et aux indicateurs MAPS, particulièrement pour les méthodes de passation de marché public. Je ne pense que les indicateurs ne sont pas assez alignés. On pourrait voir, par exemple, pour la mesure de la concurrence et des méthodes sélectionnées, ce sont des domaines où nous pourrions faire plus et avancer mieux ensemble. Je pense que souvent, lorsque l'on met en place ces évaluations, il y a toujours beaucoup d'attention qui est mise sur l'acceptabilité des rapports et sur le fait que ces rapports doivent être acceptables à la fin de l'évaluation. Alors, je ne pense pas que cela doit être c'est un problème, mais ça montre que le dialogue et les processus d'engagement sont très importants lorsque l'on met en place ces évaluations au préalable. Parce que si le gouvernement ne s'approprie pas cette évaluation, eh bien, il y aura des défis au niveau de l'acceptation de ce rapport à la fin. Maintenant, en ce qui concerne l'évaluation de MAPS, comme l'ont dit Erika et Nicolas, il est important de voir comment on peut faire que cette évaluation soit plus basée sur des données et sur les produits. Je pense que l'évaluation telle qu'elle existe se base sur la conformité. C'est quelque chose qui était bien il y a 20 ans peut-être lorsque l'on mettait en place des règles et des réglementations, mais maintenant que la plupart des pays ont des lois et des cadres législatifs, je pense qu'il faudrait transformer l'évaluation pour qu'elle se base plus sur les résultats et pour qu'il y ait un meilleur développement du système. Et je pense que cela est possible avec l'arrivée des systèmes d'agrégation de données. Maintenant, je voudrais peut-être porter votre attention sur le fait que ces évaluations sont faites et sont particulièrement importantes. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de discussions sur la régularité de ces évaluations et de voir comment on peut partager les résultats. La situation actuelle, c'est que dans certains pays, ces évaluations comme MAPS ou PEFA
ont eu lieu il y a quasiment 20 ans. Et donc, c'est une perte d'opportunité parce qu'il est nécessaire d'avoir des examens réguliers pour savoir comment les systèmes évoluent. Maintenant, je voudrais vous rendre la parole. Et j'avais 5 minutes et je voudrais remercier les organisateurs et encore vous dire qu'il faut continuer à travailler ensemble, à améliorer tout cela pour que ces systèmes soient harmonisés, faire en sorte qu'ils aient lieu en même temps. Et je voudrais encore souhaiter bon anniversaire au secrétariat de PEFA. Merci beaucoup. Merci, Simon. Je pense que vous avez parlé de points extrêmement importants sur ce travail, sur l'harmonisation de ces outils et de comment les utiliser dans les pays. Et qu'il faut plus de discussions, je pense que c'est intéressant, et aussi d'avoir cette amélioration continue des outils, c'est intéressant également. Alors, nous sommes un peu en retard, je voudrais maintenant inviter Aïda du l'autorité de la passation de marché public de la Zambie, la ZPPA, de nous donner un aperçu de l'utilisation de PEFA et de MAPS dans le contexte de la Zambie. Aïda, vous pouvez être la plus concise possible, s'il vous plaît, pour que nous puissions avoir un peu de temps pour les questions-réponses à la fin de la session. Nous avons déjà des questions dans la conversation. Merci beaucoup. Aïda, vous avez la parole. Aïda, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, en testant... Excusez-moi, je suis là. Alors, vous pouvez partager votre expérience sur MAPS et PEFA dans le cadre de la Zambie et de manière la plus concise possible, s'il vous plaît, puisque nous avons des limites de temps. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Comme cela a été dit, le gouvernement de la Zambie, à travers notre institution, le ZPPA, en collaboration avec la Banque mondiale et d'autres partenaires de développement, ont mis en place ces évaluations du système de passation de marché public en 2019. Et c'était dans 4 piliers principaux, les piliers de MAPS. Il y avait le cadre législatif, réglementaire et politique, le cadre institutionnel et la capacité de gestion, les activités d'acquisition publique et de pratique du marché, et enfin l'intégrité et la transparence du système. Je pense que nous avons déjà entendu parler de ces piliers, ça a été partagé. Nous passons maintenant de la législation en Zambie. Nous avons une nouvelle loi qui date de 2020, la loi sur les passations de marché public numéro 8 de 2020. Nous avons une réglementation aussi qui date de 2011. Nous espérons qu'elle soit signée par le nouveau ministre des Finances pour avoir une réglementation plus à jour. Il y a aussi une loi de 2018, la loi sur la gestion des finances publiques, qui met en place le cadre juridique pour la gestion des finances publiques en Zambie. Comme cela a été dit par d'autres orateurs, en Zambie, 15% du GDP correspond au... ou plutôt les marchés publics correspondent à 15% du PIB, et pour le budget, cela représente 50% du budget national, même plus de 50%. Et donc cela est lié aux dépenses entre 2018 et aujourd'hui. Notre loi stipule qu'il y ait une programmation des marchés publics dans le cadre de la préparation du budget. Et c'est un prérequis pour les processus de passation de marché public. C'est quelque chose que l'on retrouve dans notre législation nationale. Maintenant,
pour savoir comment cette évaluation a été conduite. Nous savons que MAPS est un outil universel qui est utilisé pour analyser la qualité et l'efficacité des systèmes de passation de marché public, qui souligne là où les réformes sont les plus nécessaires et indique comment les réformes doivent être mises en place. Nous avons parlé de cette évaluation qui a eu lieu pour ZPPA et avant cela, ZNTB, c'était l'ancien nom de cette évaluation et il y a eu une évaluation qui a eu lieu en 2003. Donc, vous pouvez voir que nous avons beaucoup avancé dans ce domaine. Il y avait deux objectifs de cette évaluation pour analyser la force et les faiblesses du système et aussi mettre en place une comparaison avec les bonnes pratiques internationales et aider le gouvernement à mettre en place des réformes. Cette évaluation en 2008 était la meilleure évaluation que nous ayons eue. Et nous essayons d'avoir les meilleures bonnes pratiques. En Zambie, il y avait 14 indicateurs et 55 sous-indicateurs, et on analysait des critères qualitatifs et quantitatifs à travers le MAPS. Il y avait un comité mis en place pour donner une direction générale. Les représentants venaient de ministres, de la société civile, du secteur privé, ce comité était dirigé par les ZPPA. Pendant l'étude, on a bien souligné la compréhension des contenus au niveau des pays et ses spécificités. Et donc, ce comité de pilotage voulait vraiment avoir des consultants locaux, puisque c'était des acteurs extrêmement importants et parce qu'ils connaissaient bien le système. Alors, l'évaluation PEFA, cette évaluation, a été mise en place par une équipe d'évaluation avec des responsables du gouvernement et de la Banque mondiale en 2016. L'évaluation a été mise en place dans le cadre du programme de réforme. Je suis désolé, j'avais oublié d'allumer ma vidéo. Je l'allume maintenant. Donc, c'était dans le cadre du programme de réforme de la gestion des finances publiques qui était financé par un fonds multidonateur avec le Royaume-Uni, la DFID et la KWF. L'objectif de cette évaluation était d'identifier les domaines de force et de faiblesse dans le système de gestion des finances publiques du gouvernement. Il y avait un comité de haut niveau pour mener ce travail. L'évaluation PEFA s'intéressait à certains aspects clés aussi de la passation de marché public, par exemple l'accès public aux informations. Il y avait trois éléments clés qui étaient évalués, le cadre législatif, réglementaire, les opportunités d'appel d'offres et l'adjudication des contrats. Donc, quels ont été les résultats? Donc, comme cela a été dit, les quatre éléments clés qui ont été évalués sont les suivants. Et voilà les résultats. Donc, le premier élément, c'était le suivi de la passation des marchés. Le résultat était que les données sont remplies de manière manuelle, puisqu'il n'y a pas de système de suivi électronique pour les méthodes de passation de marché. Des méthodes concurrentielles étaient utilisées pour plus de 70% des méthodes de passation de marché public. C'est quelque chose qui est promu par la loi pour qu'il y ait une bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. En ce qui concerne l'accès du public aux informations sur la passation des marchés, trois informations clés étaient disponibles, le cadre réglementaire, les opportunités d'appel d'offres et les adjudications de contrats. Enfin, la gestion
des plaintes concernant les passations de marché, le processus d'appel satisfaisait le critère 1 et les trois autres critères. Donc, le score final était un C+, la conclusion était la suivante, la base de données pour les informations sur la passation de marché public est nécessaire pour améliorer le suivi et des publications plus consistantes sont nécessaires pour la programmation des marchés publics, la résolution des différends et les statistiques de marché public. Donc, nous voyons que cette note n'était pas très bonne. Maintenant, en ce qui concerne MAPS, les résultats étaient pour le cadre législatif, la force était le cadre législatif, puisqu'il y avait un système, un cadre législatif qui était complet à travers la loi et le règlement. Le système couvre un système de marché public qui fonctionne bien. L'agence ZPPA est indépendante et c'est un organe réglementaire. La loi établit aussi les appels d'offres comme méthode par défaut en utilisant des méthodes concurrentielles. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Les fonctions de gestion des contrats sont clairement définies dans la réglementation. Et je pense aussi dans la loi, et les disputes liées au contrat peuvent être résolues à travers l'arbitration, ce qui est plus efficace. C'est aussi l'un des points importants. Alors maintenant, les faiblesses, les suivantes ont été identifiées. Premièrement, le manque de clarté en ce qui concerne la passation de marché qui implique des relations internationales. Donc ici, c'est la question en fait des soumissionnaires étrangers. Il y a ensuite des améliorations à apporter au projet de loi de 2017 sur la passation des passés publics. D'ailleurs, cette loi a été votée depuis, elle a été améliorée. Mais il y avait quand même un manque de clarté sur les activités concernant les relations internationales et les accords internationaux, le ZPPA, et le procureur général, savoir les rôles respectifs de tous ces acteurs. Il y a aussi la question que l'organe d'examen des plaintes prévues travaillait seulement à temps partiel. Aussi, il y avait cette condition de participation pour les associations étrangères. En fait, les soumissionnaires étrangers devaient obligatoirement créer une association ou s'associer à des locaux. Et on voyait que cela était considéré comme un obstacle à la concurrence. Ensuite, il y avait la question de l'absence d'examen juridique des décisions prises par le ZPPA ou par l'organe ou par le mécanisme de gestion des plaintes. Donc voilà, l'absence d'examen juridique. Ensuite, il y avait l'introduction de passation de marché de valeur élevée et donc d'un comité pour la passation des marchés à valeur élevée au sein du ministre de la Finance. Et aussi le besoin de considérer l'introduction d'une clause sur l'utilisation obligatoire de la passation de marché électronique par toutes les entités, et cela en plus dans un délai qui soit réaliste. Et en fait, c'est le délai de 3 ans donc, que nous avons choisi, donc cela maintenant est en cours. Ida, si je peux me permettre, je suis désolé, puisqu'il nous reste vraiment très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous donner, plutôt que ces informations détaillées, peut-être passer directement aux résultats, aux conclusions clés ou aux recommandations même. Et nous ferons circuler cette présentation. Et puis ensuite, nous prendrons peut-être une ou deux questions du public. Voilà, donc si vous pouvez vraiment vous concentrer plutôt sur les conclusions, les recommandations, car il nous reste très peu de temps. Merci, Ida.
D'accord, pas de problème. Donc ici, vous voyez la comparaison MAPS et PEFA. Donc les évaluations sont similaires, mais le PEFA se portait surtout sur la fonction réglementaire du ZPPA et donc la mesure de différents aspects de gestion financière. Tandis que sous MAPS 2, c'est la qualité et l'efficacité des systèmes de passation de marché qui étaient évalués, surtout de manière à identifier les atouts et les faiblesses et les carences aussi de ce système, et aussi en le comparant vis-à-vis des meilleures pratiques internationales. Et cela, bien sûr, pour voir quels sont les efforts prioritaires à réaliser pour réformer la passation des marchés publics. Ces deux évaluations, en tout cas, nous ont vraiment beaucoup apporté, nous ont permis d'aligner les réformes sur les meilleures pratiques internationales. Donc, comme je vous l'ai dit, parmi les réformes menées, eh bien, nous avons mis en place donc une nouvelle loi et nous avons mis en œuvre donc certaines des recommandations du MAPS. Par exemple, le concept des accords de passation de marché internationaux a été clarifié dans notre nouvelle loi. Il y a aussi la diffusion de l'organisation institutionnelle et des responsabilités. Auditors being part of the evaluation committees, but they are just there as observers. And this is. Et donc, le fait aussi que les acteurs internationaux étaient simplement observateurs, mais aujourd'hui, ils peuvent vraiment faire partie des comités d'évaluation. Ensuite, il y a l'utilisation obligatoire du système électronique de passation des marchés par les entités concernées, ça selon la section 16 de la nouvelle loi. Et aussi, la nouvelle loi favorise la participation des diverses parties prenantes qui peuvent faire part de leur feedback, surtout aussi, et nous signaler des violations ou des infractions à la loi. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Ida. Comme je l'ai dit, nous allons partager ces différentes présentations avec le public. En tout cas, c'était très clair et très facile de comprendre comment le diagnostic peut ensuite entraîner à aboutir à des réformes à mettre en œuvre. Et donc, on voit bien ici la facilité de ces évaluations. Et aussi leur impact sur l'amélioration des processus de gestion des finances publiques et des processus de passation de marché. Et donc ces outils, comme le montre votre présentation, nous permettent vraiment d'identifier et de corriger les problèmes de ces systèmes. Donc nous allons prendre quelques questions et je vais demander à Guillaume et Pépé. Moi, je vais passer la parole à Guillaume d'abord. Sorry, Nicolas, really, I was answering a question in the chat, so I didn't get. Je suis désolé, Nicolas, je n'ai pas entendu votre question. Donc, notre question. Merci en tout cas de répondre aux questions dans le chat. Donc, pour un pays qui est intéressé dans un outil PEFA ou MAPS, qu'est-ce qu'il devrait faire? Par quoi devrait-il commencer? En ce qui concerne le PEFA, toute administration nationale ou sous-nationale peut faire le PEFA, le rapport PEFA. Donc cela signifie que nous n'avons pas forcément besoin d'avoir le soutien de partenaires internationaux. En revanche, si vous voulez faire un rapport PEFA, je vous recommande de rentrer en contact avec les parties prenantes ou d'autres personnes qui auparavant ont réalisé un PEFA. Et donc, ça peut être des gouvernements nationaux ou des administrations sous-nationales. Et donc, pour les pays qui veulent entreprendre un PEFA, je leur demanderai aussi d'en informer le secrétariat PEFA,
parce qu'il y a ce qu'on appelle des, il y a des contrôles, ce qu'on appelle les PFA checks. Donc, il faut qu'il y ait au moins une note conceptuelle au début du processus. Et cette note conceptuelle doit être approuvée par le secrétariat et par deux observateurs ou deux examinateurs indépendants. Donc, il y a certains éléments qu'il faut suivre et qu'il faut connaître avant de se lancer dans un rapport PFA. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, contactez avant tout le secrétariat PFA, www.pfa.org. C'est la première chose à faire. Et pour MAPS, le processus est semblable. Le cadre est ouvert et disponible sur notre site web. Il y a aussi un processus d'assurance qualité qui est très solide et très utile et qui commence donc par entrer en contact avec le secrétariat MAPS pour nous assurer que nous puissions vraiment vous guider tout au long du processus de l'évaluation et aussi pour nous assurer que l'évaluation du rapport final est vraiment alignée sur les standards internationaux. Ensuite, en ce qui concerne les décrets d'urgence, c'est quelque chose qui est fréquent dans le cadre du COVID. Et donc, nous avons vu des partenaires qui utilisaient donc le cadre, car il était suffisamment flexible. Mais il faut aussi comprendre les décrets d'urgence au sein de ce cadre. Et donc, à cet égard, est-ce que suffisamment d'informations sont divulguées dans le cadre des décrets d'urgence et des passations de marché d'urgence? Donc, si vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, comment ces sujets en fait sont traités, par exemple, par le secrétariat? Et enfin, je voudrais préciser que toutes les réponses qui n'auront pas eu de réponse seront bien sûr recueillies et nous y répondrons plus tard et nous le publierons en ligne avec la présentation, la vidéo de la réunion et donc toutes les autres questions. Et donc tout cela sera publié suite à ce webinaire. Donc merci à tous d'avoir participé. Voici ici nos coordonnées. Donc, gardez-leur ouvert parce qu'il y a beaucoup de rapports, nouveaux rapports, de nouveaux outils qui sont en cours de développement, de nouvelles méthodologies également, par exemple sur le climat, MAPS, PFA, la passation durable, la prise en compte de toutes ces informations dans les méthodologies. Et donc, vous retrouvez aussi toutes ces informations sur notre site web. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci à tous nos partenaires. Et surtout à tous ceux qui contribuent à l'initiative PFA ou à MAPS, car sans vous, cela n'aurait pas été possible. Et donc, pour revenir sur ce que Eric nous a dit aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est la confiance entre les citoyens et les gouvernements. Améliorer la passation des marchés et la gestion des finances publiques dans un pays se traduira par de meilleurs services, par de meilleures infrastructures pour les citoyens et donc plus de confiance. Il y a donc beaucoup de débats sur comment s'y prendre pour mieux intégrer ces évaluations dans des délais relativement brefs, mais il serait aussi que les pays utilisent davantage ces évaluations. Et les praticiens et les professionnels pourraient aussi nous informer de comment ils utilisent ces outils et quelle en est l'efficacité dans les pays. Nous donner des études de cas, comme par exemple celle de la Zambie, qui est vraiment utile, qui nous apprend beaucoup. Nous aimerions en apprendre davantage de votre part. Et bien sûr aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, laissez-nous vos coordonnées. Et pour conclure, je dirais que j'espère vous revoir bientôt, vous retrouver dans un autre événement organisé par le secrétariat du PFA ou du MAPS. Merci beaucoup. Nous allons maintenant clore ce webinaire. Merci encore et au revoir à tous et à toutes.